Bonsoir, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce samedi, les imams des 10 régions du Cameroun appellent les fidèles musulmans à se mobiliser pour renforcer la paix et la sécurité au Cameroun et surtout dire non à Boko Haram. C'était au cours de la célébration ce jour de la fête du sacrifice, un moment très important dans la vie de tout musulman. Le pôle de cette célébration avec nos envoyés spéciaux sur le terrain. Et puis toujours dans l'actualité, sport football, Ligue 1, place ce week-end à la 33e journée avec plusieurs matchs à enjeu. La rencontre New Star, Bambutos de Bouda, c'est le top match de demain. Les enjeux de cette confrontation dans ce journal. Rebonsoir. La communauté musulmane célébrait ce samedi la fête du sacrifice dans les 10 régions du Cameroun. Ici même à Douala, à Bonanjo, les autorités de la ville avec en bonne place le gouverneur de la région du littoral, Joseph Bétia Soma, ont pris part donc à cette célébration. Une grande prière au cours de laquelle l'imam central a appelé les fidèles musulmans à renforcer la paix et la sécurité au Cameroun. Monique Naoussi Fosso. Dieu est grand. Traduction de la prière reprise en chœur ici à l'esplanade de la poste centrale de Bonanjo. L'imam central adjoint Sheikh Mohamed Awal, dans son sermon, invite les fidèles musulmans à la tolérance et à la culture de la paix. Ni à la haine, ni au vandalisme, ni à la rébellion. L'islam est contre tous ces sectes, comme les sectes de Boko Haram, ce qu'on entend parler un peu partout. L'islam ne reconnaît pas. L'islam est une religion de la paix. L'islam est une religion universelle. L'islam est une religion de commodité. Une autre édition de la Tabaski rehaussée par la présence du gouverneur de la région du littoral. Je voudrais tout d'abord remercier Allah subhanahu wa ta'ala, Père et Bénédiction. C'est notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a permis de revoir cette fête et tout s'est déroulé dans les très bonnes conditions. La fête du mouton, symbolisée par l'immolation de cette bête, rappelle la dévotion et le sacrifice du père des croyants, Ibrahim. Dieu avait demandé à Abraham de donner en sacrifice son fils unique d'alors, qui était Ismaël. Et par ses gestes de soumission, quand il s'est soumis à son Seigneur au moment d'égorger cet enfant, Dieu l'a changé et il a rançonné par le bélier. Et les fidèles musulmans l'ont bien compris et le célèbrent. L'islam, c'est une religion de paix, c'est pas une religion de guerre. Et la paix, que la paix va dans tout le monde entier. La suite de la fête d'El El Kebir, c'est en famille. Au lieu dit ancien aéroport, des milliers de fidèles ont tenu à rendre grâce à Allah pour les bienfaits, surtout pour la paix et la stabilité au Cameroun. Ruben Malik Djoumbessi, Luther Ndjomou. L'imam El Hadj Farouk Sine tient à féliciter la présence des pasteurs de la religion protestante. Pour l'imam, cela traduit le symbole de la communion entre l'islam et toutes les autres religions soucieuses de la paix dans le monde. C'est d'ailleurs sous ce signe qu'il place cette autre célébration de la fête du sacrifice, ici au lieu-dit ancien aéroport, Douala Bonapriso. L'autorité administrative est présente. Madame le maire, toujours proche des populations, a également fait le déplacement. Dans son sermon, l'imam Farouk a invité les musulmans à œuvrer avec l'administration publique dans ses efforts pour la bonne marche de la société camerounaise. Vraiment, c'est de vous faire comprendre que la religion islamique veut dire la religion de la paix. Paix veut dire soumission. On doit se soumettre à la parole divine, et aussi à la loi nationale, à la loi de la République. C'est ça l'islam. C'est ainsi que j'invite tous mes frères musulmans qu'on s'aligne d'abord derrière la loi de la République. Vient alors le moment crucial, l'heure du rituel, celui du sacrifice. Un acte de dévotion par l'immolation d'une bête en guise de sacrifice au bon Dieu. La fête la Tabaski qui se célèbre aujourd'hui intervient 70 jours à partir de la fin du mois de jeûne de Ramadan.
Non loin de là, à Bonaloka, c'est un appel à la décence et à la discipline qui a été lancé en direction des jeunes. Monique Naoussi Fosso. Fête de moutons à Bonaloka. La responsabilité des jeunes de ce quartier est davantage interpellée. Le quartier a la réputation lugubre. Les surcharges en moto dans le but de s'exhiber et les coiffures fantaisistes, c'est aux antipodes de l'élévation spirituelle. L'imam central adjoint l'a reprécisé sur cette terre, lieu de prière pour la circonstance. Tous ces jours-ci, ce sont les jours de manger, de boire et de s'amuser, et l'amusement licite, pas illicite. Parce que beaucoup de nos enfants, ils partent, ou nos grands même, qui n'ont pas compris cet islam, ils partent chercher les musiciens pour faire les bals, pour les réveillons dans la nuit et aller dans des boulangeries avec les habits qui sont transparents, c'est interdit en islam. Mais les amusements qui sont licites, oui, c'est demandé. À voir la mobilisation des fidèles musulmans parés de leur plus belle tenue, on peut mesurer la symbolique de la fête du sacrifice. Les jeunes doivent chercher à ses responsabilités. Il y en a tant de possibilités. Ils sont tous là pour pouvoir les aider, pour qu'ils épargnent de tous les barbaries qui commencent à faire dans notre quartier, partout d'ailleurs. Et je dis Baraka de Salah à tout le monde. Et ce sacrifice, les fidèles musulmans présents à la prière ont vécu l'immolation du mouton rançonné pour la survie d'Ismaël, fils d'Ibrahim. Comme à toutes les fêtes musulmanes, les portes des fidèles resteront ouvertes à tous pour la collation. Autre lieu de prière observé ici même à Douala, c'est à la sous-préfecture de Douala, 4e. De ce côté-là, place a été donnée à la méditation. Julio Trésor Tanon. 8h30 ce samedi, jour de fête de la Tabaski. L'esplanade de la sous-préfecture de Douala 4e est pris d'assaut par les fidèles musulmans venus pour la prière. Mais avant, un petit exposé leur est servi sur la signification du sacrifice et les recommandations d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Le musulman, quand Allah te donne les moyens de faire le sacrifice et qu'il voit d'autres importances en dehors du sacrifice. Il faut s'installer le plus rapidement possible pour la méditation. Et ceux qui n'ont pas de natte font l'achat sur place. L'imam arrive et la prière peut commencer. L'enseignement du jour est riche et édifie plus d'un. L'immolation du mouton est l'un des moments forts de la célébration. Des instants vécus avec beaucoup de satisfaction par les fidèles. Alhamdulillah, la fête est bien passée, bien, dans de bonnes manières. Il n'y a pas de problème. On remercie Allah de nous redoubler l'année prochaine, qu'on nous voit encore dans de bonnes conditions. Ainsi s'achève la prière de la fête du sacrifice ici à l'esplanade de la sous-préfecture de Douala 4e. Et après cette étape, les fidèles musulmans vont retourner chez eux sacrifier la bête. Et il est recommandé qu'une partie soit donnée à ceux qui n'en ont pas et une autre sera conservée pour la famille. Qui dit Douala 4e parle également de Douala 5e. Les fidèles musulmans de cet arrondissement n'étaient pas en reste de cette célébration de la Tabaski. La grande prière a eu lieu en présence des autorités de cet arrondissement. Reportage. Allahu Akbar. Parcours vite à Douala, les fidèles musulmans répondent par centaines. Présent à la grande prière, marquant la célébration du sacrifice du mouton. Sous la présence du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e, Jean-Marie Tchakui Moudier, le grand imam de la mosquée de Bonamoussadi, Ousmanou Iya, a exhorté ses ouailles à plus d'amour, de partage et de paix. Le message de l'imam, c'est le message de la grandeur de Dieu. C'est le jour qu'on doit exalter la grandeur de Dieu aujourd'hui et les jours suivants. Et ce jour, on doit célébrer la fête de Tabaski, comme on l'appelle vulgairement. Donc, son principe, c'est quoi? C'est de respecter la sunna, la tradition des prophètes passés. Ça a commencé par le prophète Ibrahim, alayhi salam, et ça a continué jusqu'au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est la tradition qu'on est en train de faire revivre la tradition. Une exhortation qui n'est pas tombée dans les oreilles des sourds. L'imam dans sa prêche a remercié les autorités, a remercié d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, les autorités et tous les fidèles. Et après il a parlé des premiers 9 jours du mois de Zulhijja, de la journée de Arafat qui était hier, la station Arafat, pour les pèlerins qui étaient à la Mecque. Et il a aussi parlé de la fête d'aujourd'hui, des qualités des bêtes qu'il fallait immoler.
et comment partager la viande de ces bêtes. L'autorité administrative présente a tenu à adresser un message à la communauté musulmane de Douala 5e. Je voudrais saisir cette opportunité pour souhaiter une très bonne fête du sacrifice à tous les fidèles musulmans de l'arrondissement de Douala 5e. Je pense que c'est l'occasion privilégiée pour tous les Camerounais d'appeler à la consolidation de la paix dans notre pays. Et l'imam l'a fait dans son intervention de tout à l'heure et nous avons beaucoup apprécié cela. Je voudrais également saisir cette opportunité pour saluer la cohabitation pacifique, la convivialité, la fraternité que j'observe entre toutes les confessions religieuses dans l'arrondissement de Douala 5e. Le sacrifice du mouton par l'imam de la mosquée de Bouna Moussadi est venu marquer un thème à la grande prière. Et après cette grande prière, la communauté musulmane s'est rendue chez le préfet Nassiri Paul Béya pour lui réitérer les idéaux, leur attachement aux idéaux de paix et du vivre ensemble. Des images qui ont été réalisées en fin d'après-midi par Victoire Senghe. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le préfet Nassiri Paul Béya et quelques musulmans rencontrés sur place. J'ai donné des petits conseils qui peuvent être utiles à cette communauté qui est très importante pour notre administration ici dans le Vouri, de travailler ensemble, main dans la main, d'éviter de querelles stériles, d'éviter petits problèmes qui peuvent exister dans toutes les familles, mais qui ne doivent pas donc être transposés à l'extérieur. Vous savez que l'idée musulmane, c'est la paix. Mais nous constatons que de temps en temps, il y a des petites guerres de leadership qui ne peuvent pas faire prospérer cette communauté. Mais je voudrais donc déjà les féliciter parce que la fête s'est passée en paix et ils ont eu l'amabilité de venir donc nous souhaiter la paix et prier pour nous et prions ensemble pour la paix et pour la prospérité de chacun de nous et de notre pays et de nos leaders. Ce conseil que nous avons reçu de monsieur le préfet, nous allons faire l'effort de le mettre en application. Ceci, n'est-ce pas, de continuer, n'est-ce pas, à unir la communauté et de parler en une seule voix. Juste, vous avez donc suivi quelques fidèles musulmans rencontrés aujourd'hui au cours de cette célébration. Et on va du côté d'Edeya où l'imam, dans son serment, a précisé que Boko Haram n'a rien à voir avec l'islam. Il est important de prier pour la paix. Dieudonné Tep, David Pem. 6 minutes 43 secondes. C'est la durée de la prière de la fête de la Tabaski, ce 4 octobre au paysage d'Edeya, dans la Sanaga maritime. Après la prière, l'imam Sani, lors de son serment, entretient les nombreux fidèles musulmans venus ce jour sur la différence entre la secte dite islamique Boko Haram et les enseignements de paix et d'amour que prône l'islam. Un message qui connaît un écho favorable. Elle n'est pas islamique, on dit secte islamique Boko Haram, mais ce n'est pas une secte islamique. Parce que l'islam n'a jamais prôné la guerre, l'islam n'a jamais demandé de faire couler le sang d'un être humain. Donc je demande à tous les jeunes musulmans de faire attention. La fête de la Tabaski, encore appelée fête du mouton, trouve ses origines dans le Coran et dans l'Ancien Testament. Nous avons fait ce sacrifice-là par rapport à ce que Ibrahim alayhi salam avait fait avec son fils Ismaël. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a remplacé, n'est-ce pas, par un bélier. Elle se prépare comme d'habitude. Généralement, on cherche la bête du sacrifice. On la fait. Et on se prépare avec les petits trains que vous connaissez, les petits jus à côté, les petites croquettes à côté. Et c'est beaucoup plus le mouton. Les autorités de la ville de Déa, au rang desquelles le préfet, se sont joints à la communauté musulmane de la Sanaga maritime pour célébrer cette fête de la Tabaski. Les immolations des moutons, quant à elles, ouvrent le bal aux réjouissances populaires.
À Garoua, malgré la menace de Boko Haram, les fidèles musulmans de la mosquée de Pumpumbré ont prié pour la paix et la stabilité au Cameroun. C'est en présence du numéro 1 de la région, Jean-Eddy Abaté. Reportage. C'est par ces mots que la traditionnelle prière de la Tabaski a débuté à Garoua. Ici, à la mosquée de Pumpumré, les fidèles musulmans de la ville, parés des plus belles couleurs, ont tenu à remercier le Très-Haut pour les œuvres accomplies tout au long de l'année. La prière conduite par le Modibo, représentant le grand imam, était axée sur la paix, la sécurité, le respect des règles islamiques et la sunna du prophète Jafarou Marafa. C'est beaucoup d'émotions chaque fois que les communautés musulmanes se rassemblent autour du chef pour célébrer les grandes fêtes religieuses, en particulier la fête du mouton comme celle-ci. Tout au long du serment, l'imam aura rappelé la symbolique de l'immolation, que la bête soit un bélier, un bouc, un chameau ou une vache. Les autorités administratives, quant à elles, ont axé leur message sur un rappel à l'ordre, notamment la sécurité, la santé et l'éducation. Il est normal que chaque chef de famille, chaque chef responsable, veille à la sécurité des populations qui sont sous sa responsabilité. Et pour cela, il faut que les uns et les autres se connaissent, s'entraînent et même entretiennent des relations privilégiées entre elles. C'est-à-dire pas des visites, des courtoisies, des visites d'amitié, des visites. La prière de ce matin nous a été loisible de prendre part à cette importante fête de la communauté musulmane, et nous repartons avec un sentiment de foi et de fierté, et sachant que tout cela a été édifié pour la paix au Cameroun et pour le bon vivre ensemble entre les fils et les filles de ce pays. Après la grande prière, le grand imam a prêché par l'exemple en immolant science tenante, son bélier, ouvrant ainsi le bal des réjouissances. Jacob Teguem et Adamou Salio signent ce reportage. Et toujours dans le même registre, paix, vigilance face à la fièvre à virus Ebola et la secte Boko Haram étaient au menu de la grande prière de la Tabaski à Dembo, ville frontalière avec le Nigeria. Bertrand Kechuang, Adamou Salio. Nous sommes ici à Dembo, petite bourgade frontalière au Nigeria, à 75 km de Garoua. Ce samedi 4 octobre 2014, les fidèles musulmans ont tenu à célébrer à leur manière la fête de la Tabaski. Autour du Lamido, ils ont pris leur courage, malgré la menace Boko Haram, pour remplir leurs devoirs religieux. C'est un message de paix, c'est un message de vigilance, vigilance vis-à-vis de nos autres, des gens qui viennent et qu'on ne connaît pas. Il faudrait savoir qui ils sont et si nous les suspectons, nous rendons compte à l'administration. Vigilance également vis-à-vis du cas de choléra qui a été détecté dans mon Lamida. Dieu merci, depuis plus de 10 jours, ça a été un seul cas, un cas isolé. Alors, ce n'est pas parce que ça a été un cas isolé qu'on ne doit pas redoubler de vigilance et suivre autant que faire se peut les mesures d'hygiène. En ce grand jour de fête, hommes, femmes et enfants se sont rassemblés pour louer le Très-Haut. Occasion pour le grand imam de la ville d'appeler les fidèles au respect des piliers de l'islam, tels que la pratique de la zakat, de l'aumône, du pardon et de la tolérance entre autres. Les autorités de la ville en ont profité pour sensibiliser les populations sur la maladie à virus Ebola, le choléra, mais surtout le Boko Haram. Je voudrais exhorter l'ensemble du peuple camerounais à penser aux victimes que sont les populations des zones en conflit dans cette lutte asymétrique que nous menons contre les ennemis de la République. Que Dieu
préserve la paix et la stabilité de notre pays. Cette journée de fête étant une occasion de partage, les musulmans de Dembo se sont séparés avec une ultime conviction du devoir bien rempli. La communauté musulmane chiite s'est également joint au reste du monde pour célébrer la fête du sacrifice. On a noté un message fort du guide Cheikh Hassan Sangou. Katitulwelanga. Ce sang versé symbolise l'alliance avec Allah. Un mouton immolé en raison de la célébration de la fête de la Tabaski. Et là, les mains du guide de la communauté musulmane chiite du Cameroun. Il a accompli cet acte selon les Saintes Écritures et le Coran. Ce matin, à la mosquée de Nkomondo, la communauté chiite, de plus en plus nombreuse au Cameroun, est venue écouter le message porté par cette célébration. Vous voyez le monde plongé dans le power des suicides, parce qu'il n'y a plus la construction de l'école de l'équipe morale. Que fait donc pour remédier à ce qu'il faut faire pour remédier à tout cela. Il faut comprendre que la vie n'a pas de prix. Dieu, ce n'est pas la sagesse divine que Dieu a créé le monde n'est pas un seul couple, Adam et Ève. Les gens doivent comprendre que chaque personne a la liberté de vivre sur terre parce que la planète, c'est pour tout le monde. Quand Satan avait désobéi à Dieu, Dieu ne l'avait pas tué. Quand Adam et Ève avaient mangé le fruit interdit, Dieu ne les avait pas tués, mais Dieu les avait envoyés tous sur la terre. L'imam Cheikh Hassan Sangou a évoqué les leçons à tirer de cette fête, ses avantages. Il s'est également référé à l'histoire de Abraham qui devait donner son fils à Dieu en sacrifice. Il a appelé les gens à plus d'humanisme, les mots qui minent la société, le tribalisme, les détournements de deniers publics et autres devraient être balayés d'un revers de la main grâce à cette alliance. Le monde a tout simplement été invité à marcher selon les préceptes religieux afin d'espérer plus de paix, moins de bains de sang et plus de prospérité. À Yaoundé, précisément à Tsinga, le chef de l'État s'est fait représenter à cette célébration par le chargé de mission à la présidence de la République, Philippe Mbargambois. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Le temps de faire un tour dans les différentes familles pour voir un peu comment s'est passée cette célébration en famille et aux côtés des amis. Julio Trésor Tanon, Victoire Sengue, Linda Teguet. On revient donc sur ces réjouissances en famille après la grande prière de ce matin. C'est avec nos différents reporters qui se sont rendus dans les familles. Question de voir un peu l'ambiance qui règne. Julio Trésor Tanon, Victoire Sengue. Ils ne sont pas à l'abri des maladies cardiovasculaires et c'est pourquoi, pour garder un corps sain dans un esprit sain, les enseignants du Vouri, en prélude à la célébration de leur journée mondiale le 5 octobre prochain, ont effectué une marche sportive dans les artères de la capitale économique, du lycée bilingue d'Aïdo au parc Kouvita à Bounamoussadi, en passant par Aquanor. Ces hommes de craie, sous la supervision des délégués régionaux des enseignements secondaires et de l'éducation de base, ont bravé sans incident les kilomètres prévus à cet effet. Vous savez quelle est la place du sport dans la vie d'un homme, surtout dans la vie d'un enseignant, un métier qui est très exigeant, il faut l'aptitude physique. Mais il fallait surtout marcher aujourd'hui pour qu'on soit très en forme demain lors du grand défilé. Donc ça nous a permis de nous retrouver, de blaguer, de faire des mouvements et effectivement de faire du décrassage. Au menu de la marche, prise de paramètres, étirement, mouvement d'ensemble. La journée mondiale des enseignants à Douala connaîtra plusieurs articulations, des allocutions, la leçon inaugurale, la remise des distinctions, un clin d'œil aux nouveaux retraités. La cérémonie sera présidée par le gouverneur de la région du littoral, Joseph Bétia Somo.
Vous avez regardé à l'instant cette marche donc pour les enseignants. Demain, c'est le 5 octobre, la journée mondiale consacrée aux enseignants. La ville de Douala va certainement abriter cette célébration. C'était donc en prélude de cette cérémonie de demain qu'une marche sportive a eu lieu dans les artères de la ville de Douala. Parmi ces marcheurs, vous avez suivi nos reporters Robert Charles Itok et Marius Kouessou. Et puis on reste en sport, la Ligue 1, on traverse la 33e borne ce week-end avec plusieurs matchs à enjeu. La Ligue de football professionnel a classé la rencontre New Star et Bambutos de Bouda comme le top match de la journée de demain. Et ce sera un match qui sera retransmis en direct sur Canal 2 International. David Sanjo, Linda Tegeb. Au-delà d'une rencontre, le match New Star Bambutos de la 33e journée est un rendez-vous qui promet des étincelles au stade de la réunification. Nous nous sommes préparés dans les meilleures conditions pour pouvoir remporter, n'est-ce pas, ce match de la 33e journée. C'est un match, n'est-ce pas, qui devra, n'est-ce pas, mettre notre championnat, revaloriser notre championnat. En plus de la promesse de victoire, les deux clubs sont en quête d'une place africaine et il faut désormais engranger le maximum des points. Ils l'ont fait savoir en conférence d'avant-match. Nous avons le devoir, l'obligation de gagner nos 5 matchs pour que ce que nous espérions donc décrocher cette place africaine. Donc, tous les matchs sont décisifs. Il n'y a pas de match de revanche. Revanche contre qui? Bon, je ne sais pas. Le top match de la 33e journée se veut un savant dosage du sportif et du spectaculaire. Le coup d'envoi sera donné conjointement avec le patriarche Paul Morambous et Petit Pays qui va l'accompagner. Et après la descente, juste auprès, juste au niveau de la pelouse, ils seront accueillis par deux personnalités. Côté Bambutos, la volonté de victoire se fait ressentir au point où leurs majestés sont mises à contribution. Les 16 chefs du département de Bambutos ont décidé d'accompagner Bambutos à la victoire finale, c'est-à-dire prendre la deuxième ou troisième place. Le match New Star Bambutos ou le duel pour les cimes du championnat national Ligue 1 est la dernière sortie du club de Mbouda à Douala pour cette saison. En plus donc de ce top match entre New Star et Bambutos de Bouda, on aura également droit aux rencontres Panthères d'Yaoundé Douala Athletic Club. APGS affrontera Coton Sport de Garoua et Cosmos sera face à Tonnerre de Yaoundé. Et la rencontre, le top match sera diffusé en direct à 15h demain sur les antennes de Canal 2 International exclusivement. Je vous donne rendez-vous pour demain 20h pour une autre édition du journal. Mais tout à l'heure, retrouvez votre émission de divertissement Catapulte. Nous recevons comme invité du journal le docteur Fatima Toupoumier, qui est présidente du CERDEN, Cercle de réflexion pour le développement du Noun, et qui est également la cheville ouvrière de la grande commission marketing du Ngouan 2014. C'est clair que le Ngouan, cette année, sera toujours du 3 au 9 novembre. Oui, le Ngouan aura lieu, se déroulera du 3 au 9 novembre 2014 à Fumban. Est-ce qu'on peut dire, à la date d'aujourd'hui, qu'on est prêt pour ce grand événement culturel et économique du peuple Bamoun? Vous vous informez que le sultan a eu la merveilleuse idée de scinder l'organisation en deux parties. Une partie, comme c'est une fête traditionnelle, culturelle et économique, donc le sultan a divisé l'organisation en deux parties, la partie traditionnelle et culturelle et la partie économique, c'est-à-dire la partie marketing que je dirige. Donc nous avons eu déjà plusieurs réunions de concertation, de mise au point avec le comité national qui est chargé de la partie traditionnelle et culturelle. Et nous avons déjà mis tout au point. Et au niveau du site, des préparatifs sur le site, bientôt l'électricité sera installée. La plomberie aussi va être mise en place. Et vraiment, au niveau des partenaires aussi, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont inscrites
Et il y a quelques retardataires comme d'habitude, mais sinon, tout le monde est prêt et nous sommes maintenant dans les derniers réglages, en fait. Alors, s'agissant de ces derniers réglages et de ces partenaires qui traînent encore le pas, est-ce qu'il y a une information à leur endroit? Par rapport à ces retardataires, nous avons reporté les choses au 15 octobre. Et à partir du 15 octobre, nous arrêtons vraiment pour pouvoir... Nous voulons travailler en professionnel. Donc, on va s'occuper d'autres choses. Et, par exemple, maintenant, le site va être construit. Le site va commencer à être construit le 23 octobre. Le 23 octobre, et pour être livré le 30. Et à partir du 1er novembre... Ça sera la répartition des stands. Voilà. Donc, Et au niveau de la mobilisation des Bamouns de l'intérieur, comme ceux de la diaspora, est-ce qu'il y a également un message pour que l'édition 2014 soit autant populaire que celle 2012? J'avoue que les Bamouns ont un certain engouement par rapport à leur Ngwen. Et ils sont très mobilisés en ce moment. Je reçois des messages sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Et ils sont très contents, ils sont très fiers de l'Ngwen, de la dimension qu'a pris l'Ngwen, et ils se mobilisent tous pour être présents au Ngwen. On sait également que l'édition 2012 a connu un rayonnement à l'international grâce à Canal 2 International, avec qui vous avez signé récemment un partenariat. Alors, au niveau du stand qui nous sera réservé, on n'aura plus d'espace. Par rapport à ce qui a été, par rapport au service que Canal 2 nous a rendu en 2012, Canal 2 sera traité comme un roi lors de cette édition. Ne vous inquiétez pas, toutes les dispositions sont prises par rapport à cela. La grande équipe également, elle est déjà en train de se préparer sous la coordination du directeur général. Alors, je voulais qu'on revienne un peu sur un autre aspect qui est celui de l'hébergement. Est-ce que tout est prêt également de ce côté-là pour accueillir le flux de touristes attendu à cet événement? Alors, je vais, avant de répondre à cela, je vais quand même annoncer la bonne nouvelle selon laquelle nous avons obtenu la construction du gouvernement par rapport à la CAN 2019, la construction d'un hôtel 4 étoiles à Fouman. Donc, à partir du mois prochain, de 2016, il n'y aura plus ce problème d'hébergement. Mais pour pallier à ce problème cette année, nous avons fait appel au service d'un professionnel du tourisme qui va nous aider au niveau de l'hébergement, du transport. Et ils ont même eu l'idée de mettre en place un avion qui va faire des trajets, qui va partir de Yaoundé ou de Douala pour Koutaba. Et à partir de Koutaba, ils vont prendre les gens avec leur véhicule pour Fumban. Il suffit seulement de les appeler. Alors, s'agissant des artistes, en 2012, il y avait des grands noms de la musique qui ont fait du déplacement de Fumban. Alors, par rapport à l'édition 2014, est-ce que ces grands artistes seront encore là? Et cette année, nous allons vraiment faire les choses, mettre les petits plats dans les grands. Et j'invite tout le monde à venir découvrir ce spectacle. Et en non comptant de ça, nous aurons aussi des spectacles traditionnels. Et il y aura un brassage de culture que nous avons comme invité d'honneur la Turquie, qui viendra nous présenter aussi sa culture, sa manière de faire les choses au niveau culturel. Voilà. Alors, docteur Fatima Toupoumié, nous remercions d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions par rapport à Songol. C'est moi qui vous remercie de nous permettre de mettre en exergue le patrimoine culturel du pays Bamoun.